Le granine de Morvan était très apprécié. Il faut que le grain soit assez serré, assez dur, pour pas qu'il s'en aille en poussière. Et c'est mon père qui exploitait là. Il était chef carrier. Jusqu'en 1928-30, il a exploité ici. Et à l'époque, il faisait des pavés pour la région parisienne. Les rochers étaient apparents et puis c'était surtout une loterie parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le sol. Mais en général, ici, les bancs étaient assez bons à exploiter. Alors la technique pour extraire le granit, il ne faut pas le casser, il faut pas pour qu'il soit en bloc compact. On le dégageait un côté, dans le temps, à la dynamite. On cassait du mauvais à côté du bon pour le dégager. Et à partir de là, on faisait des mines pour l'extraire. Au départ, on avait la mine rayée. La mine rayée, c'est une technique qui est venue des Vosges. La mine rayée, on part d'un forage rond et on passe un ciseau qui fait une rayure, deux rayures dans le trou rond. Et ça dirige la coupe. On fait une charge à la poudre noire, une charge adéquate, toc, c'est fendu très net. Puis après, on les fendait au coin. Ils mettaient des coins en bois et ils les arrosaient, et les coins gonflaient et ça fendait le granit. En 1900, c'était un burin, un mec assis, les jambes écartées, qui tenait le burin. Et à chaque coup de masse, il tournait d'un quart de tour. L'outil de base, c'était le burin pour faire les mines, le poinçon pour tailler la pierre, et pour faire les petits trous pour fendre, et le ciseau. Pour faire un trou de 2,50 m, il fallait un burin de 2 mètres. Mais ce n'était pas des burins en tungstène comme maintenant, il fallait les forger. Mais ils étaient vite usés. Tous les carrières, ça va forger. Oh ben, il fallait savoir extraire, sans casser, il fallait savoir tailler, faire des pavés, faire la taille de... Moi, j'ai su tout faire. Dans les années 70, on a monté des fils pour scier avec du carbure de silicium. Ça, c'est un fil hélicoïdal qui est usé. On scie avec ça. C'est des fils qui faisaient une centaine de mètres de long. On les recevait en grand rouleau. On en coupait la longueur voulue, une centaine de mètres. On les soudait. Et on les faisait tourner sur le granit avec du carbure de silicium et de l'eau. Et on sciait le granit avec ça. Et les pavés étaient fendus uniquement à la masse. On faisait une rayure au ciseau et on retournait le bloc, un coup de masse à l'envers, et ça fendait. Alors on a eu à la fin les presses hydrauliques pour fendre les pavés. On pouvait arriver à faire une tonne à l'heure de petits pavés. Et il fallait une équipe de trois. Les bordures de trottoir, on les livrait dans la région parisienne, à Mulhouse, à Lyon, à Dijon, à Gré, à Belfort. Alors, mon père, je vous l'ai dit, il a acheté des bœufs, des chevaux, et puis il avait un commis qui faisait les transports jusqu'à la gare de La Roche. Tout était expédié par le train. Et dans les années 30, mon frère, qui était beaucoup plus vieux que moi, avait 12 ans de plus que moi, achetait un camion. Ça gagnait du temps. Oh, il y avait de l'ambiance, oui. Ça chantait, ça riait. À chaque fois qu'il y avait une fête, alors avec 10 ou 15 ouvriers, il y avait souvent des fêtes. Ça s'arrosait. Il y avait le casse-croûte, il y avait la boisson. Il arrivait que
des carrières couchent sur place. Et j'ai descendu à pied, puis j'entendais le chant des massettes sur l'outil. C'était merveilleux. C'était une chanson que j'appréciais beaucoup. Donc, ça faisait du bruit, hein. Beaucoup de bruit. Et puis, il y avait deux bistrots dans le village à côté, là. Alors, à 4 heures, les carriers, ils envoyaient un apprenti chercher les litrons. Et la journée était pratiquement finie. Hein. Il y avait beaucoup de carriers de la région. Et puis, dans les années 30, il est venu beaucoup d'Italiens qui se sauvaient du fascisme. Et puis, après la guerre, c'était des Portugais qui sont venus. Disons que pendant la guerre, j'étais paysan. Avec mon père, parce que, on n'avait pas le choix. Hein. Ça a été arrêté parce que tout le monde était mobilisé, finalement. Et mon père a occupé deux réfugiés espagnols pendant quelques années pour faire des petits pavés. À l'époque, ma mère faisait vivre la maison avec le produit de la ferme, avec le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Au début de la construction dure, les paysans ont taillé leurs pierres eux-mêmes. Oui, mais il y avait les carriers paysans qui travaillaient à la ferme. Ils avaient quelques vaches, 3-4 vaches. Ils faisaient un peu de culture avec leurs vaches. Et entre-temps, ils venaient à la carrière, ils étaient tailleurs de pierre. Ça n'a jamais été des bons clients, les paysans. Ils n'avaient besoin de rien. Leur maison était faite, à peu près. Leurs abreuvoirs, ils les faisaient souvent eux-mêmes. Bon, on peut dire qu'il y avait la production artistique, si on peut dire. Ça consistait à faire des hôtels pour l'église, des trucs, des produits sculptés, souvent. On a commencé par le tympan de la pierre qui vire, qui était un gros morceau, d'ailleurs. Et puis après, on a continué pour faire des hôtels dans les églises. On fournissait aux granitiers des blocs bruts avec lesquels ils faisaient des monuments funéraires. On leur livrait aussi des tranches. Les tranches qui faisaient l'épaisseur d'une pierre tombale. En pavé, je faisais 70% de ma production en Allemagne. On a fourni des bornes de démembrement pendant 24 ans. Non, on ne peut pas concurrencer les granits chinois qui arrivent chez nous. Les pavés arrivent à moitié prix du prix de revient de fabrication en France. J'ai encore un collègue qui en fait dans les Vosges, mais c'est pas rentable. Oh, j'ai beaucoup aimé les défis. Ça n'enrichit pas.